Ouais, Manu. Pierre Rosso, ça va? Ouais, ça va, ça va. T'es occupé, là? Un peu, pourquoi? Pour te donner la récolte. Ah oui, putain, c'est vrai. Dis-moi. Tu veux. Ok, où ça? Tu vois le point de... Ouais, non, faudrait que je bouge. Attends, je t'envoie une position dans 30 secondes, hein. Ok, bien. Ça va, monsieur l'agent? Ça va et vous? Ah, je vous avoue, au dernier moment, j'ai eu si peur. Ouais, ça va, vous avez fait mourir dessus, ça va. Oh là 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 là. Allez-y, continuez. Ok, ok, merci. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Voilà. Avance encore un peu pour fermer la porte. Si, si. Les détecteurs, tout ça, tu sais, c'est... Si. Ça va, vous? Ouais, ça va, ça va. Ça se planque encore ou ça va? Je me suis un peu montré aujourd'hui, j'ai essayé de voir si ça me suivait. Ok. J'ai croisé un mec bizarre à la salle, qui dit qu'il m'a vu arriver et a sorti son téléphone. Ah ouais? Mais bon, personne m'est tombé dessus. Ok, bon, bien, bien. Alors, j'ai 7500 sur moi. Ouais. Je te le donne. Faut que je vois avec zéro s'il veut tout transformer ou s'il veut en garder. Non, non, pour l'instant, je pense qu'il faut le garder. Tu vois, 7500. 10 fois ça, c'est une Kalachnikov. J'ai fait ça en une heure. Si on est deux, on fait ça en 30 minutes. Donc en une heure, ça fait 15 000. Si on est deux, il faut 5 heures pour acheter une Kalachnikov. Si on est trois, tu fais le calcul. Si on est quatre, si on est cinq, etc. Ça peut aller très très vite. Faut juste qu'on s'organise un soir et qu'on s'y mette à plusieurs. Il faut que des bécanes et en 3 heures, il y a au moins 2 AK qui sont achetés. Et on est, ouais. Si on est 5-6. C'est pas beau, c'est pas faux, c'est pas faux. Tu vas le stocker où, à la raffinerie? Non, ils ont accès au coffre, dans mon coffre de voiture, je pense. Tout papa, je crois pas. Eh bah, ben, sur moi. De toute façon, j'ai pas prévu de me faire arrêter pour l'instant. Non, mais si tu tombes dans le coma... Ah, il disparaît. Si c'est une ITX, oui, ça disparaît. Eh bah, ben, j'ai pas prévu de tomber dans le coma. Ok, je te souhaite bon courage. Bon, sinon, ça va? Ouais, ça va, je vais rentrer à l'hôtel, là. Ouais, je pensais faire pareil, mais je surveillais un des mecs, un des raffineurs, apparemment, il a vu deux véhicules passer. Ah oui? Donc je me suis mis en planque, j'attends de voir. Ok, bah écoute, fais attention. Hein. Ouais, t'inquiète pas, j'ai pas prévu de tomber dans le coma. Oui, par contre. Ouais, fais gaffe à toi quand même. J'aimerais pas que l'argent que je me fais chier et les risques que je prends, ils disparaissent parce que tu t'es fait choper. Ouais, je me doute, t'inquiète pas. J'aimerais pas non plus. Ok, je rappelle que tu es pas une des hommes d'action. Je sais, mais bon, l'action ça me démange. Ouais, mais quand tu as des gars à surveiller, c'est nous qu'on doit appeler, c'est pour ça qu'on a fait une organisation. Oui, je sais, mais là c'est des gars de la raffinerie, donc c'est différent. Ok, bon, et eh ben, bon guettage. Nickel, merci. Ok. Ouais. Hier, j'appelle Rosso pour lui filer la thune que j'avais fait. Ok, il me donne rendez-vous. 7500. Ouais, il me donne rendez-vous, je sais plus où, vers les dépôts de raffinerie, Sandy Shore. Enfin, c'était une espèce de garage planqué, etc. D'accord. Je rentre, je le trouve, je lui dis ça va, toujours en train de te planquer et tout. Il me dit non, ça va, je me suis baladé voir si on me suivait et on me suivait pas. Je lui dis ok, je lui donne la thune. Et là, il m'a dit qu'en fait, il est là, en train de guetter, de surveiller des mecs qui seraient apparemment en train de suivre des gars de la raffinerie. Et du coup, je lui dis, attends, il y a un truc que je comprends pas, tu es passé dans la branche action ou quoi? Il me dit, non, pas du tout. Et alors, tu m'expliques pourquoi moi je me casse le cul à... Non, ça s'est pas passé comme ça. Je lui ai dit, fais gaffe de pas tomber dans le coma avec l'argent que j'étais filé. Il me dit, j'ai pas prévu de tomber dans le coma. J'ai dit, ouais, mais te fais pas choper non plus. Il me dit, j'ai pas prévu de me faire choper. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'il faisait là, et c'est là qu'il m'a dit qu'il guettait des mecs qui apparemment suivaient ces gars de la raffinerie. Et là, je lui ai demandé, mais tu es passé dans la branche action ou quoi? Il me dit, non, mais je surveille, je fais mon taf. Je dis, non, ça c'est notre taf à nous. Il me dit, non, la raffinerie c'est moi, si t'es pas content c'est comme ça. Donc si tu veux, moi je vais pas m'amuser à aller chercher de la thune pour la donner à un mec qui peut se faire choper à tout moment. Quand bon, désormais avant la thune tu me la fileras à moi alors. Ok, mais si toi tu es pas là? Si je suis pas là, tu la gardes et tu la fileras à Jalali au pire. Ok, bon et bien. Rendez-vous du coup tout à l'heure? Ouais, rendez-vous 22h30, là je vais aller aux positions, m'assurer que tout est bien sécurisé, qu'il n'y a pas de point de vue de trou on va dire. Ok, bien. Et sans masque, hein, pas besoin, il n'y a que nous. Il n'y a juste pas la recrue donc c'est bon. Ok, ça roule. Bon, et bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Emmanuel.
Bien joué, t'es le premier arrivé. Je t'ai pas demandé de me parler. Bien joué, t'es le premier arrivé. Je vais te goumer. Pardon ? Je disais que j'avais bien roulé en moto. Ouais, c'est mieux. A few moments later. Bon, messieurs, il manque. Allez, ça arrive. Je me calme, mes mantras sont. Messieurs, j'ai eu quelques petites infos, mais on en parlera plus tard, d'accord ? On verra après. Voilà. Vous allez bien, chef ? Ouais, ouais. Ça n'a pas l'air d'aller. C'est Rosso. Ouais, ça c'est lui. Il est pas là, Aladdin ? Non, il est pas là, Aladdin. Non, il sera pas là, apparemment. Salut, Rosso. Bonsoir, homme masqué. Ça respecte la règle, à ce que je vois. Ouais, c'est quoi la règle ? Parce que t'étais pas au courant de la réunion qu'on a eue après la réunion. On a dit entre nous, pas besoin de masque, pas de ça entre nous. Et qu'est-ce qui te dit qu'il y a pas un connard qui est planqué dans un buisson en train de te regarder ? Bah, moi, c'est je fais confiance à l'homme qui vous a donné rendez-vous. Ah, c'est marrant, vous faites attention ce soir. Oui, hier soir aussi. Au pire, c'est une réunion tupperware, hein. Ils vont faire quoi ? Pourquoi ? C'est quoi le problème, mec, hier ? Y a pas de problème. Quelle est la solution ? Oh là là, c'est tendu là. Visiblement, on dirait qu'il y en a un, donc vas-y, crache ta pastille. Non, mais j'étais dit hier. Oh là, il se passe quoi, messieurs, là, s'il vous plaît ? Rien, c'est chef, juste que moi, on m'avait pas dit qu'on s'occupait de faire de l'argent pour le des mecs qui restaient planqués à attendre d'autres gars, mais bon. D'accord. Tu sais ce qui s'est passé au moins hier après qu'on soit séparés ? Attendez, on va peut-être laisser le chef parler, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, tout seul, entre vous. Ouais, ça nous intéressera quand même. Hein. Il manque pas quelqu'un ? Ouais, on s'en fout. Il sera pas là. Fais un effort, on t'a dit qu'il était pas là. Bon, moi, je vais rien dire. Bref, la réunion, c'est principalement pour la radio. Pour expliquer à ceux qui sont pas vraiment au courant et qui savent pas vraiment comment elle fonctionne. Donc, nous tous, on voit deux radios. Et deux tableaux. Il y a la fréquence 13.5. Ça, c'est pour les recrues. Il n'y a que les recrues qui vont dessus et ceux qui ont bossé avec eux. La fréquence 66.3, ça, c'est la nôtre. Il n'y a que nos 8 qui pouvons aller dessus. Le tableau action, c'est pour les nouveaux. Toute information qu'ils trouvent, ça va dedans. Et le tableau membre, c'est le nôtre. Que nos 8. Dans le tableau membre, à la fin, quand vous postez un message, vous signez. Parce qu'on ne voit pas qui c'est qui a écrit. Donc, par exemple, le message qui demande, qui dit à ne pas divulguer sous aucun prétexte, je ne sais pas qui c'est. Et celui qui a répondu, je ne sais pas qui c'est. Donc, il faudra que vous signez vos messages quand vous écrivez dessus. Et les messages, soient des messages importants et complets. Pas, par exemple, juste dire que Merlin est chelou. C'est, il faut un truc complet sur lui. Pour qu'on ait tous une bonne info, pour qu'on puisse la combler. Ok. Compris pour la radio où il y a des questions. Ouais, c'est compris jusqu'ici. Ouais, compris. Justement, je vais choisir mon nom d'emprunt, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, comme ça, tu pourras actualiser. Appelle-moi Boss. Je t'appelle comment ? Tu peux pas prendre une couleur comme on a tous fait ? Ouais, non, Boss, ça serait très bien. Boss. Tu connais pas la couleur Boss ? Ouais, mais parce que justement, ça peut être trompeur vu que je suis pas Boss. C'est écrit comment ton Boss ? Bah, BO2S. Rajoute un E, c'est pour moi. MO2S. Comme le chameau ? Exactement. Excellent, ça, Manu. Ta gueule. Ah, quoi ? Oh là là. Ça commence à plaire. C'est à moi que tu t'exprimes ? Je déteste l'humour. T'as de la chance que tu m'as pignolé tout à l'heure. Oh, bref. Du coup, bon, pour les radios, c'est clair. Pour les plans, c'est ça. Je pense pas, pour la radio, faudrait faire un peu plus de fréquence. Parce que si jamais on en a besoin qu'il y a juste les recrues qui travaillent, ça veut dire qu'on peut pas aller sur une autre fréquence avec d'autres personnes. Mais non, il y a la 66.3. Ouais, il y en a que deux, Chanel, de radio. Ouais, mais personne à part nous 8, n'a le droit d'aller dans celle-ci. Donc c'est la nôtre, quoi. Ouais, j'aurais peut-être dit de faire une ou deux Chanel de plus pour les. Pour l'instant, honnêtement, deux suffiront. Mais dès qu'on sera agrandi, on en mettra une autre pour les recrues. Voilà, c'est ça, je suis d'accord. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas les recrues, voilà, on est pas mal. Faut se dire que ça se trouve, on va dire payer une fréquence à notre opérateur et ça se trouve demain on va tous se faire niquer donc on aura payé pour rien. Ok. Messieurs, que vous allez tous acheter une oreillette. Sinon, bah, pour parler radio, c'est compliqué sans oreillette. Ouais, moi j'ai une oreillette intra-auriculaire, elle est très profonde dans mon oreille. Ouais, c'est incroyable. Ouais, mais c'est la dernière technologie de Samsung, je vous en dirai plus tard. Ensuite, on va commencer par les plans et après, si vous avez des infos à dire ou des choses à dire, vous pourrez les dire. Allez, chef. Les plans. Donc, il y en a plein pour choper des mecs. Donc, je vais mettre des personnes pour suivre et savoir où ils traînent. Généralement pour qu'on puisse échapper plus tard, notamment le Raven, parce que c'est quelqu'un de. C'est pas vraiment très dangereux de le choper, mais c'est mieux de le choper seul. Donc, mais pour établir le plan, il faut savoir à peu près où il passe, où il traîne, quand est-ce qu'il peut être seul. Il est seul à l'hôpital. Hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faudra le surveiller. Donc je vais mettre, je pense, deux personnes dessus. Et je pense que je vais mettre Johnson et Parkinson dessus. Oh, ça vous va ? Ouais. Vu que s'il traîne souvent à l'hôpital, Parkinson qui sera à l'hôpital. Hein. Mais après, ouais. Vous savez que j'ai son numéro. Hein. Oui, il répondrait à n'importe quel appel inconnu, D'accord. Oui, d'accord, mais si tu le contactes avec ton numéro... Appel inconnu, putain. Ouais, mais rien te dit qu'il pourra pas remonter à toi. Ton opérateur, il stocke tes messages. Donc à moins que t'achètes une carte SIM, tu rentres son numéro et après qu'on ait fait le coup, tu l'as détruit. Ouais, pas mal ça. Mais pour l'instant, on va réfléchir au plan, il faudra savoir où il traîne exactement. Ouais, de toute façon, lui, c'est parking central, ouais. Police, hôpital. Ok, bah surveillez-le quand même et essayez de choper des infos sur lui. Tout à l'heure, j'ai encore vu son pote et sur son pote aussi, là, qui avait une Porsche blanche.
Ok. C'est, ils ont tous de grosses voitures d'un coup. Ouais, ils doivent être empruntés. Voilà. Non, et non, elles sont à eux, mais du coup, ça veut dire qu'ils ont, ils ont fait de la drogue et ils ont blanchi l'argent pour acheter des bagnoles. Voilà. Ensuite, là, on est, attendez, les 5 qui n'ont rien à faire encore. Et vu qu'on peut pas avoir trop s'occuper des Russes, même si je les ai pas vus depuis avant-hier, enfin, depuis la prise d'otage qu'ils ont fait apparemment. C'était pas eux. Ah, si, je les ai vus, je les ai vus. Personne sait que c'était eux. Je les ai vus. Bah, c'était écrit sur Twitter, les Russes, vous faites, vous amusez bien au commissariat et au commissariat. Si, 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 j'ai vu, il y a des gens qui les ont vus devant le Kumiko. Qui ont vu quoi? Qui ont vu des mecs masqués, mais personne sait que c'était des Russes. Hein. Moi, je suis passé plusieurs fois et le flic m'a dit que c'était des Russes et l'avocat qui était devant m'a dit que c'était des Russes. Là, par contre, ils sont au parking central, là, tout de suite, les Russes. Ok. Et bon, pour l'instant, ils sont armés, nous non. Donc, il va falloir qu'on fasse de l'argent, beaucoup d'argent. Mais d'abord, l'argent, il faudrait qu'on s'achète une camionnette. Rosso m'a déjà filé 9 000 $ pour la camionnette. Non, on touche à 11 000 avec ce que j'ai moi. Donc, il manque encore de l'argent. Je sais plus trop combien elle est, je crois que c'est 15 000 ou 19 000, ce que m'a dit Dosan tout à l'heure. Ah, je crois que c'est la 19 000. Moi, je peux mettre 4 000, moi. Ok, est-ce que d'autres peuvent mettre? Avec l'argent sale qui a été fait hier, c'est pas vrai. Ouais, mais l'argent sale, honnêtement, je préfère le garder pour les armes. Sale. Pour les armes. Ouais. Là, moi, les gars, je vous avoue qu'avec l'inflation de Belize, là, je me suis fait bien baiser. Hein. Moi, avec ta société, je pourrais te filer, moi, si tu veux. Un peu. Ok, nickel. Bon, t'as rien dans la société Non, on a plus rien. On a plus grand chose. Moi, je suis ricrac, les gars. C'est Parkinson avec kilomètres, c'est bien sûr. Parkinson, t'as combien? Moi j'ai 10 000, mais faut que j'achète une arme après. Ouais, mais t'es quand même un des plus riches. Des plus riches, mais un des plus pauvres derrière après. Ouais, mais si on fait une arme illégale après, on s'en fout. Si on tue une arme illégale. Ouais, une arme illégale. Ah, mais de combien de temps? T'as juste à donner 4 000 PPA pour l'instant. T'as pas le PPA pour l'instant, c'est pas ça. Non, je suis censé passer après. Et ben voilà, t'as bien 4 000 à dépanner. Tu vas reprendre du service, ça va vite remonter, t'inquiète pas. Tu pourrais filer 1 000 balles aussi. Ouais, commence pas, putain. Bah ouais, Parkinson, si tu veux gagner de l'argent, faut savoir en dépenser. Après, faut que ça soit ceux qui ont les entreprises qui potentiellement peuvent taper dans la caisse. Moi, comme j'avais dit, j'ai remboursé. Il me reste encore 10 000 à rembourser. Caisse, hein. Ah, moi non plus. Hein. Là, c'est 5 000 que me devait Manu et je donne 4 000. Quoi. Ouais, Mo, il en donne aussi une belle partie et Manu en donne une belle partie aussi, messieurs. Faut tous s'y mettre. Je suis désolé, mais c'est Parkinson, là, il fait que de bosser. Mais moi, je vais donner alors que j'ai pas baissé. Il peut bien donner 4 000, c'est bon. Écoutez, t'as pas de sous du tout, toi? Ceux qui peuvent donner, vous donnez. Le reste, on le trouvera bien, cet argent. La camionnette, c'est important de l'avoir avant les armes. Sinon, avoir l'arme sur nous tout le temps, dans notre dos, on va se faire cramer. Non, mais part du principe qu'on a la camionnette, là. Ouais. Mais oui, il va donner. Si on part, voilà, si on part du principe qu'on a la camionnette, il nous faut beaucoup d'argent pour s'acheter les armes ainsi que les chargeurs. Ok, et c'est qui? Tu t'occupes de l'acheter toi-même, la camionnette? Je vais m'en occuper, mais je pense que je mettrai l'un d'entre vous qui aura aussi une autre camionnette plus tard. Et dans celle que vous aurez, peut-être il y aura d'autres armes. Les armes peut-être plus légères, si on trouve de quoi s'acheter des armes illégales plus légères. Ouais. Ou de la drogue. Ou juste de la drogue, ça dépendra. Ok. Le but, c'est que plus tard, chacun d'entre vous ait aussi une camionnette tout-terrain. Comme ça, quand vous partez quand vous partez faire vos coups, on va dire, pour récolter, au moins pour en envoyer avec cette camionnette ceux qui vont récolter, qui stockent dedans directement. Comme ça, s'ils sont poursuivis et qu'ils n'ont pas le temps d'aller traiter ou vendre, parce que les flics qui attendront là-bas, ils pourront juste aller ranger la camionnette. Donc, moi, je pensais m'en prendre une, moi, donc je verrai quand je vais aller travailler un peu pour faire des sous, mais dès que j'aurai assez de sous, j'en achèterai une, je pense. Ça marche. Et du coup, le reste, on va surtout s'orienter sur l'argent sale, là, à faire de la drogue. D'ailleurs, il va falloir que je commence à faire aussi du sport parce que je commence à grossir. Attends, le Raven là, si j'arrive à l'isoler, vous avez un plan ou pas? Parce que je le suis. Mais et pourquoi vous voulez choper Raven? Parce qu'il a beaucoup plus d'infos que ce que tu peux. Il a plein d'infos et il y a un mec qui lui donne des 100K comme ça. Ouais, monsieur Lewis, j'ai son numéro d'ailleurs à lui. Voilà, Jack, c'est ça, Rosso, mais il faut des armes. Ouais, c'est ça, Jack Lewis. Ouais, voilà, il faut des armes. Si on le fait avec nos armes, certains qu'on a des armes légales, si on commence à tirer et qu'on coupe les trucs par terre, on est dans la merde. Le problème, c'est que si tu isoles un droit, il y a une petite caméra ou s'il y a un citoyen qui passe ou autre. L'arme, c'est chaud parce que si le citoyen a de bonne vision, il voit un numéro de série. Non, mais faut juste embarquer. Hein. Oui, mais pointer juste avec l'arme, voilà, ça va chercher tous ceux qui ont acheté une arme en tout. Ouais, faut l'enlever plus du monde. Mais là, je vais pas normalement. Je peux juste pas le suivre bêtement, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est sûr, mais on va dire le suivre et le croiser étrangement, quoi. On a trouvé le magasin qui vend les menottes, etc. ou pas? Non, pas encore, ça c'est aussi en recherche. Et j'informe qui une fois que j'arrive à l'isoler ou autre? Pour l'instant, je cherche pas vraiment à l'isoler. Okay. Parce qu'on n'a pas d'armes. Ok. Donc, surtout, choper des infos sur lui et tout. Ok. Donc, toi et Parkinson, vous occupez de le surveiller. Jameson, toi, t'essaies de choper le plus d'infos que tu peux sur tout et n'importe quoi en ville. Qui peut nous être utile, hein. Donc, vraiment que le capitaine a une chiasse, on s'en fout, par exemple. Je viens de me faire un contact
à la LSPD là. Ok, nickel, c'est Ron. Ouais. Ok, nickel. J'avais déjà fait un petit coup avec lui avant qu'il soit cadet. Il y a Pignol qui se fait braquer sur le parking central. Ah, dommage, par qui? Par les Russes. Ouais, mais ils s'arrêteront pas. Messieurs, je vais vous donner une ou deux petites infos. Donc, alors si j'ai bien compris, en gros, vous faites de l'illégal forcément pour l'argent sale. Toi, tu t'occupes de la camionnette ce soir. Parkinson et moi, on va s'occuper de notre ami Raven. Jameson, il fait quoi? Il fait des infos comme d'hab? Ouais. Ok. Et du coup, attends, parce que j'avais pas fini aussi. Pour aller récolter. G, il est là ou pas, Emmanuel? Oui. Ouais. Toi, Dawson et G, vous allez aller récolter. Et moi, en attendant de récupérer la camionnette, je me posterai pas loin de là où vous serez. Ok. Donc, je me mettrai en radio avec vous. Ok. Ok. Messieurs, au pire, on se met tous sur la radio et si on entend. Si de toute façon, la radio sera utilisée que s'il se passe quelque chose, au pire. Oui, non, parce que là, la radio que j'ai rejointe, c'est avec la recrue. Vous restez sur la radio 110.3. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça que je dis. C'est-à-dire, on reste sur la 63. Voilà. Et si, on parle que s'il se passe quelque chose. Si vous avez un problème et que vous avez besoin que je vienne sur la radio, il y en a un de vous qui m'envoie un message. Moi, j'ai une info. Il y a un mec en ville, je sais même pas c'est qui a commencé à me parler d'un truc sur le port où il y a des mecs armés qui gardent une espèce de port, un dock. Oui, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Ouais, je sais où c'est, justement, j'ai une info dessus. Ok. Deuxième chose aussi importante, il y a Saylar qui va essayer d'intégrer les Russes. Il va essayer de se faire kidnapper là pour pouvoir leur parler. Donc, je vous tiendrai au courant de l'avancée. Et autre chose aussi d'intéressante, il m'a parlé du port que Dawson vient de parler. Donc, ça, on en verra plus un petit peu plus tard. Et c'est quoi ça alors? C'est quoi? C'est Meriwether, c'est des mecs armés jusqu'aux dents qui tiennent un sabot. Voilà, vas, tu meurs. Tirer dessus par eux. Ok, il n'y a pas moyen de récupérer quelque chose derrière? Ils gardent peut-être quelque chose, non? Non, c'est juste. Non, en fait, si tu rentres honnêtement, tu vas te faire rafale de partout. Vraiment. Ok. Déjà, une fois, je suis passé à côté de leur mur, ils sont sentis mon rafale juste parce que je marchais à côté. Okay, on va éviter. Ouais. Tant qu'on n'est pas armé, ça sert à rien. Du coup, pour la radio, quand je serai dessus, Emmanuel et Dawson, je ne parlerai pas dessus. Donc, quand vous partez par exemple à la récolte, vous dites bon, allez, on part récolte en radio. Quand vous partez au transformateur, vous me le dites. Comme ça, moi, je pars en avance et je pars me placer. Ok. S'il y a un problème, là, par contre, je dis bougez. Vous venez pas. Ok. Sur radio. Bien. Ok. Bon, bah, écoute, chef. Et moi, je fais quoi? Toi, tire à guetter aussi. D'accord. Justement, par contre, on peut terminer la discussion entre monsieur. Ouais, j'aimerais bien la finir aussi. Bah, ouais. Monsieur Emmanuel et monsieur Rocco. On part tous en bon terme. Expliquez vraiment ce qui se passe. Enfin, moi, Emmanuel m'a déjà expliqué. Moi, je comprends pas pourquoi je et le groupe de farm, on se fait chier. Aller faire de l'argent pour le donner à un mec qui traîne dans des coins chauds. En gros, ce qu'il te dit en fait, c'est que hier, il est venu te voir pour te donner l'argent, mais que t'étais en planque pour surveiller des mecs, et que du coup, il comprend pas pourquoi il te donne l'argent à toi. Potentiellement, il peut se faire braquer. Alors que c'est tu ça, risques de te faire braquer. Ouais, okay. Sachant que j'étais juste à faire mon boulot donc de chef, vu qu'on m'a demandé de protéger un mec de la raffinerie, donc je l'ai surveillé de loin. Je n'ai pas demandé à des gars sortis de nulle part de venir le protéger ou de le suivre, sachant que dans tous les cas, je me suis pas fait choper, et que j'ai permis l'arrestation d'un mec qui s'en prend au raffineur. Donc maintenant, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ouais, mais ça c'est bien, c'est parce que ça s'est bien passé. Par contre, quand tu me réponds, j'ai pas prévu de tomber dans le coma ou j'ai pas prévu de me faire arrêter, tu sais, nous non plus on le prévoit pas. Hein. Ouais, bah je sais. Bah, voilà. Et le problème, c'est que moi je me mets pas dans des coins chauds et je me fais pas choper tout simplement parce que je surveille de loin. Ton air suffisant il correspond pas avec ma thune que je te donne, ok? Enfin bref, histoire à la régler très vite, l'argent sale au pire. Si vous êtes pas confiant à lui donner, vous me donnerez tiens. Eh ben je vais te le donner, tiens. Après, il a pas complètement tort. Hein. Si tu te fais choper, Rosso, pour l'instant tu te fais pas choper, mais si tu te fais choper, on sera dans la merde. Ça nous fait déjà 12 500. J'ai payé mon frère, mais le problème c'est que je me ferai pas choper tout simplement parce que les mecs ne me voient pas. Ah bah comme je l'ai dit la dernière fois lors de la dernière discussion, la tenue que j'avais portée. Tu es meilleur que les autres. C'est bon, c'est bon. Il est meilleur que les autres. J'ai payé que j'étais meilleur que les autres. Bah si tu dis que tu te fais pas choper, tu te fais jamais choper. Bah écoute, tu es meilleur que les autres alors. Et bah pour l'instant, je me suis pas fait choper contrairement à toi. Et bah bravo. Aïe aïe aïe. Ah ouais, discussion close, ça va partir loin encore. Vous avez fini de comparer la taille de votre tome, on peut y aller? Ouais, c'est vrai que là on s'en fout. La remarque elle est pertinente, donc voilà, tranquille. Ce qu'on va faire, Rosso. Non, mais c'est bon, on va rester russe. Non, c'est bon. Je vais venir faire la surveillance avec vous comme vous le souhaitez et puis on n'en parlera plus. Mais monsieur Rosso, vous avez accepté le deal en venant et en rejoignant l'organisation. Hein. Je n'ai pas eu le contraire. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais faire l'ordre qu'il m'a donné tout à l'heure, donc de suivre et de surveiller le point. Bon, bah voilà. Et ben c'est fini. Ah, mais comprends quand même que quand Manu il te dit que tu dois te donner les sous et que t'es en planque, c'est un peu risqué, tu vois. C'est compréhensible aussi. Non, mais je comprends totalement. Mais est-ce qu'il y a eu le moins de problèmes? Surtout pour un mec qui était avec des si on coupe du bois, c'est ça le problème, tu vois. C'est-à-dire que là t'as pas eu de problème, mais si demain t'as un problème, tu vas commencer à nous parler en québécois. Donc c'est ça. Et lequel d'entre nous était cherché par le mec la veille, hein? C'est nous peut-être? Et est-ce que c'est moi qui ai décidé de me mettre en tant que ramasseur, sachant que j'avais dit à Mo 3 jours avant vu que j'étais cherché que c'était pas une bonne idée?
Ah, ça c'est pas mon problème. Voilà, donc c'est pas le mien non plus. La faute à moi. Mais oui, je suis agressif, ouais, c'est mon personnage. Donc t'es dans ton domaine, tu te caches, tu surveilles. Par où ils passent généralement les flics quand ils arrivent au champ. De toute façon, le problème va être réglé, on va avoir la camionnette là. T'achètes la camionnette, tu peux mettre l'argent sale dedans ou pas? Non, je crois pas que l'argent, je crois qu'il pèse trop lourd pour entrer. Oh putain, ça c'est chiant par contre. Ouais, c'est bon, t'es obligé de l'avoir sur toi? Ouais, je suis obligé de l'avoir sur moi. Ah. Et les flics peuvent le voir quand ils vous arrêtent l'argent sale? Honnêtement, ouais, mais s'ils me fouillent, honnêtement, c'est 12 500, ils peuvent pas en savoir. C'est de l'argent, oui, mais à un moment ça va être 52 000, tu vois. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est pour ça que 50 000 là, vu qu'on est deux à les guetter, Rosso il ira proche, on va dire en guettage pour surveiller le champ. Pas à proximité, mais une distance assez éloignée pour prévenir si les flics arrivent. Et moi je resterai à côté du transformateur. Ah, justement, il y a une info qui vient de tomber là pour la weed. Tu l'as vu, Manu? Ouais, je l'ai vu. C'est peut-être le moment d'aller faire une petite. Ouais, sauf qu'on va pas être tout seul et tout à l'heure il y avait une poucave qui a balancé. Ouais, j'y mets. Okay. J'aurais bien aimé Kijali pour qu'il vous aide aussi à surveiller dans le nord, mais il est pas là. Non. Ou alors Parkinson. Je peux le remplacer, sinon je peux aller guetter. Ouais, messieurs, un petit point là. Monsieur Rocco, t'as eu combien d'argent sale jusqu'ici de la part de Emmanuel? 7500. Et il me les a donné. Ok, tu les as donné à moi, c'est ça? Exactement. Donc là, t'es sur un 20K, non? 12K? Là, je suis sur un 12 500. Il nous reste 47 500 avant d'avoir au moins une bonne arme. Ouais, c'est bien, ça monte bien. On va y arriver, messieurs. Ouais, c'est très bien. Du coup, bah, Jameson tira avec Rosso. Je vais aller avec. Ouais. Rosso, il te placera. Il me dit où me mettre, et puis après, je. Et voilà. Tu resteras et tu surveilleras. Vous avez déjà fait les points de weed ou pas du tout? Négatif. Ok, donc vous allez vous mettre là où vous pensez que vous allez vous mettre en fait. Sinon c'est peut-être mieux qu'on fasse un briefing et que je vous explique. Ouais, à mon avis ça me paraît la meilleure solution, je suis d'accord avec Duel. Hein, parce que là vous commencez déjà à partir à la ceux qui ont récolté, avec moi je sais où est le transformateur, il bouge pas. Vous quatre restez ici pour discuter du briefing. Vas-y. Et Johnson et Parkinson, vous commencez la recherche d'informations sur. Prendre peut-être l'argent, non, avant qu'on parte pour la camionnette. Bah, moi, vous l'avez sur vous. Bah, je l'ai pas sur moi, faut que j'aille à la banque. Bah, tu peux faire un virement, je crois, ton app. Ouais, mais ce sera un virement sur ton compte bancaire, ouais. Ça, je crois aussi. Non, on peut pas, impossible. Ah, banque de merde. Ok, bon, bah, messieurs, vous irez retirer pour que moi, il puisse. Ouais, on me dirait dès que vous achetez. Attends, t'as vraiment plus du tout de thunes, toi? Bah, non. T'as tout mis dans la moto? Bah, non, j'ai tout mis, surtout à Bénice, je me suis bien fait baiser. Donc, là, on est en train de voir avec le gouvernement pour qu'il rembourse la moitié comme convenu. Ok. Et en plus, je me suis fait péter mon arme, j'ai plus rien. Avant qu'on parte tous, que quelqu'un a des questions sur autre chose. Moi, je suis ok, je suis sur la radio. S'il se passe quoi que ce soit d'urgent, je vous tiens informé sur la radio, messieurs. Mettez-vous tous sur la radio sur laquelle vous êtes censé être. Moi, mon pseudo, ça va être Black. Ça ne dérange pas. Black. Ouais, une couleur comme ça, comme tout le monde. Ok, donc Black et Moss, c'est ça? Non, c'est Boss. Boss, ok. J'avais compris un putain de M. Ouais, mais fais un effort, hein. Tu comprends pas beaucoup de choses, hein, chef. Ouais, mais je t'ai dit que j'avais une oreillette. Ouais, ça me rogue. Ouais. J'entends pas beaucoup. Ouais, sacrée oreillette, hein. T'as pas trouvé pour. Tu avais une terre pour quoi, Kaz? Jameson. Trouver pour Jameson. Trouver quoi? Un nom. C'est déjà fait, moi c'est Pink. Ah, c'est déjà fait, c'est Pink. C'est fait, ouais. Bon, du coup, il y a qui vient avec moi pour la ciboulette? Bah, vous êtes vous quatre et moi je pars avec Parkinson. Rosso et Jameson, ils restent donc. Parkinson, je pense qu'on va les laisser. J'ai rien compris, Dawson. Rosso et Jameson restent avec nous, ils vont faire les guetteurs et nous on va discuter avec les quatre pour qu'on leur explique où est-ce qu'on. Oh, Parkinson. Venez, on va plus loin parce que sinon ils vont nous entendre parler. On va partir d'un principe très simple, il y a trois types de points: le point de récolte, le point de traitement et le point de vente. Récolte, on va l'appeler Alpha, le traitement Bravo et la vente Charlie. Ok. Je sais pas quels sont les points actuels, mais ça a pas dû changer depuis tout à l'heure. Alpha, vous connaissez les points Alpha tous ou pas? Non, pas du tout. Ok, il y a une carte sur le tableau membre. Ok. De toute façon, il va falloir que je vous les montre de visu, ça sert à rien de regarder une carte. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on aille se changer. Ok. Privilégier des casques noirs plutôt que des masques. Les flics arrêtent moins pour des casques que des masques. Et une fois qu'on est changé, on va aller faire le tour des points ensemble, ok? Qui a une moto parmi vous? Ça, moi. T'as pas de moto, ça. Dawson? Non, je sais pas, mais j'ai que ma voiture, moi. Ouais, mais on peut pas travailler comme ça. C'est moto uniquement. Ouais, il va falloir qu'on aille voler des motos, alors. Il faudrait que vous trouviez des Akuma. Moto uniquement, je suis désolé, c'est comme ça que ça marche tant qu'on a pas d'armes. Bah, faut qu'on aille en voler, du coup. Ouais. Bah, Jameson, tu viens avec moi le temps qu'on aille se changer. Je te rappelle qu'on a trouvé des motos. On va changer. Rosso, tu peux te démerder ou. Ouais, c'est bon, ça. On va changer. Avec Jameson, on va changer, on va chercher des motos et on t'appelle quand on a trouvé des motos. Ok, bien. Quel type de moto, forcément, Akuma? Akuma, une sportive, quelque chose qui bombarde bien. Tu sais à quoi ressemblent les motos, là? Ok. Bon, messieurs. Ouais, on se met en place. Ça y est, vous allez faire. On va déjà trouver des motos pour tout le monde. Ouais, full cueillette. Ok, messieurs. Allez, bonne chance, hein, Emmanuel. Si.
Bonsoir, bonjour monsieur. Tiens. Bonjour. Voilà. Oh, mais vous courez beaucoup trop vite. Mais putain, personne m'écoute ici. Merde. Commissariat de con. Je vais frapper dans les murs, hein. Je vais frapper dans les murs si ça continue. J'en ai plein le cou. Y'a pas une putain de poulet pour répondre à mes questions là. Tiens, eh bah voilà, eh bah vous tombez bien vous, j'ai... Eh, monsieur. Mais c'est une blague ou quoi? Vous foutez de ma gueule? 5 minutes s'il vous plaît monsieur. Bah 5 minutes, c'est quoi? C'est un marathon ici? On a une urgence. Ah bah d'accord. Bah super, super. Eh bah très bien, bah moi je vais décrocher tous les papiers au mur. Alors, mire, regarde, hop, ça dégage. LSPD become volunteer, ça dégage. Wanted, ça dégage. Ça c'est quoi ça? Graffiti arrest, ça dégage. Et là, la liberté d'expression est cognon. Là ensuite, ça, ok, ça dégage. Allez, hé, franchement, hé, écoutez-moi bien, monsieur Com. Moi je vais vous dire un truc, hein. Vous êtes. Écoutez-moi bien. Whoop, whoop. Allez, cognon de merde, va. Putain, sans déconner. Regarde ça, ils ont des bagnoles, ils ferment même pas les portes. On a une urgence, mais on laisse les véhicules garés, blablabla. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, monsieur, vous voulez parler ou... Ouais, oui, je voudrais voir un agent spécifique, s'il vous plaît. Lequel? Je voudrais voir monsieur Bauer. Oui. Bah, je vais lui dire que vous êtes là et je lui dis de venir. Eh ben, je vous remercie, monsieur. Parce que les injustices, ça commence à bien faire. Y'en a marre. Vous entendez? J'espère qu'il est froid et dégueulasse votre café. Vous avez une moustache de con. Et vous, votre ceinture, elle est en plastique. Elle vient de chez Wish. Eh oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Non, mais sans déconner. Sans déconner, hein. 15 ans que je suis abonné à ce commissariat. 15 ans. Et je viens m'envoyer chier comme ça. Bravo la fidélisation du client. Bravo, bravo. Moi, j'ai une carte de fidélité, monsieur. J'ai surtout une carte de j'en ai plein le cou. Merde. Putain! C'est à ça qu'ils servent nos impôts! Hein? On se pose la question! Monsieur! Monsieur, à quoi ils servent mes impôts? Vous pouvez me dire? À quoi ils servent? Hein? Ça sert à rien les impôts. Pardon, bonjour. Bonsoir monsieur. Bonjour monsieur. Moi c'est monsieur Jacal. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Jacal ou Rincal? Commencez pas à faire le malin monsieur Bauer. Non, Bauer. Bauer. Ouais, Bauer. Bauer. Bon écoutez, je viens vous voir pour des histoires administratives. Ah. Est-ce qu'on peut se parler s'il vous plaît? Je dois prendre une fois de service, je suis désolé. Administrativement, je ne suis plus disponible. Vous rigolez, j'espère. Affirmatif. Qu'est-ce qui se passe monsieur Jacal? Je parle à monsieur Bauer. Ah ok. Bon. Vous voulez me suivre? Oui s'il vous plaît. Très bien, demi-tour. Oui. Gauche. Onde. Très bonne humeur. Non, je suis pas de bonne humeur. Ah, merde. Bon, je vous écoute. Voilà. C'est juste que j'ai plus votre numéro de téléphone, monsieur Bauer. Ah, c'est vrai. Bah oui. Oui, c'est vrai. Mais ça a pas l'air de vous inquiéter. Si, je l'ai pas redonné. 1670. Comment vous dites? 1670. Ah, bah c'est celui-là? Bah ouais. Ah, bah faut répondre quand je vous écris, monsieur Bauer. Bah, on m'avait écrit quand? Bon, il y a longtemps, mais du coup, je me suis dit, c'est pas le bon numéro. Bah, réécrivez-moi pour voir. Si bah, j'ai okay. Pas encore supprimé. Moi j'entendais votre numéro, est-ce que je devais vous contacter aussi? Vous avez le message? Mmh. Vous avez pas le message? Si. Ah. Ah mais le dernier message que j'ai eu c'était il y a 5 jours. Alors voilà, c'était il y a 5 jours. Et vous avez jamais répondu. Ah c'était... Ah ouais, c'est vrai que... Ouais, ah voilà. ouais, bah oui, bah voilà, c'est ça pour mettre des amendes pour le défaut rouge, il y a du monde. C'est ok pour moi là, faites quand même attention à vous. Ouais, bah écoutez, si vous avez besoin d'infos, des trucs en particulier, vous savez, j'ai des oreilles dans la ville. Hein. Pas de soucis, bon, je suis parfait. Preneur de toute info. Bah, si vous avez des trucs que vous voulez savoir, vous me dites, hein, s'il y a des sujets qui vous... Ah, vous voulez me mettre en scène, vous me les dites. Bah, je voudrais savoir si un jour je deviendrai lieutenant. Bah écoutez, monsieur, moi si je peux vous aider à grimper un peu, hein. C'est bon, c'est fait, hein. J'ai ah, vous êtes sergent, lieutenant. Sergent. Ah bah voilà, mais après c'est lieutenant. C'est ça. Et bah voilà, et bah, on va vous aider, monsieur Bauer. On va vous aider, puis vous aussi vous allez m'aider, parce que là le compte en banque il est à 289, voilà. Ah ouais, allez. Putain, moi je vais d'acheter une putain de Tauros là. Qu'est-ce que je risque si je mets une patate à un agent de la police dans son bureau? Très cher. Ok, très bien. Bon, je une le ferai esquive, pas. Plus une hypercute, et plus plein d'autres choses. Ok d'accord, mais vous ferez gaffe, vous avez un peu des cheveux blancs. Affirmatif, c'est toujours des colorations suite au cousin de votre ami là. Ah oui, je comprends, oui. Aïe aïe. Mouloudar, ouais, un truc comme Mouloudar. Ça. Ouais, si, je vois. Ouais, je vois. Très bien. Donc voilà. Bon, écoutez, très bien. Bah écoutez, vraiment, je suis pas content pour l'amende, hein, je vous le dis, mais je vais la payer, hein, mais là, très voilà. Allez, si circulez ou je vous prends par votre slip et je vous balance dehors. Franchement, si c'est ça le service de la police, moi je suis pas content. J'en ai plein le cul. Franchement, ça pour coller des amendes pour les feux rouges, y'a du monde, mais pour arrêter les grands banditismes, y'a personne. Allez, circulez. Ouais, bravo.